Tricotine est juste à côté de moi cet après-midi, mais elle ne veut pas participer au tournage. Saviez-vous qu'on n'a pas le droit d'avoir un drapeau français chez soi, sauf le 14 juillet, naturellement? Vous le saviez? Eh bien, moi, je ne le savais pas, mais Twitter en sait plus que moi sur le sujet. Début juillet, j'ai eu sur Twitter une conversation un peu surréaliste avec un homme politique local, candidat malheureux du parti Les Patriotes aux dernières législatives. Ce monsieur a cru bon de poster le tweet suivant. « Le 14 juillet est le seul jour où nous avons le droit d'aimer la France. Le reste de l'année, avoir un drapeau français est passible de 135 € d'amende et est vu comme du fascisme chez les bobos gauchistes. » Je suis assez rapidement tagué sur Twitter pour qu'on me demande mon avis juridique sur cette affirmation, laquelle est quelque peu hasardeuse, et plusieurs personnes émettent de sérieux doutes à son sujet. À l'étonnement général, le monsieur en rajoute « C'est pourtant vrai, je ne vais pas m'amuser à mentir publiquement, mais oui, ça dépasse l'entendement. » Et il n'en démord pas en clôturant la discussion avec deux tweets aussi impératifs et peu convaincants que les dernières déclarations d'Idrissa Berkane. C'est factuel que ça vous plaise ou non, suivi de « que vous me croyez ou non, je m'en contrefous ». Comme je le lui fais poliment remarquer dans ma réponse, il ne s'agit pas de le croire ou de ne pas le croire, mais de savoir ou de ne pas savoir. Il faut dire que le monsieur aurait été bien en peine de nous présenter le texte applicable à cette prétendue infraction, puisque naturellement il n'est pas interdit de posséder et d'exhiber un drapeau français. Et sans texte d'incrimination, point d'infraction, point d'amende de 135 €, ça s'appelle le principe de l'égalité des délits et des peines. En droit comme en science, c'est à celui qui invoque quelque chose d'inconnu et d'a priori douteux d'en prouver l'existence, et non pas l'inverse. Vous pouvez donc librement détenir et arborer un drapeau français en toute quiétude. En la matière, le principe est celui de la liberté. Allons tout de même un petit peu plus au fond des choses, pour voir quelles peuvent être les limites à la libre utilisation du drapeau bleu-blanc-rouge. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes, même si elles sont rares et n'ont évidemment rien de politique. Tout d'abord, il ne faut pas que le drapeau gêne les voisins, par exemple en le mettant juste devant leurs fenêtres pour les empêcher de voir dehors. C'est d'une telle logique que je ne devrais même pas avoir besoin de le dire. Alors pourquoi tu le dis? Eh bien, pour qu'on ne me reproche pas de ne pas avoir dit ce qu'il était inutile que je dise. Vous voyez ce que j'endure toute la journée? Il ne faut pas non plus que le fait d'arborer un drapeau soit contraire au règlement intérieur d'une copropriété ou d'un immeuble locatif. Mais là encore, rien de politique du tout. Pour terminer, il y a au contraire un cas dans lequel il est obligatoire d'arborer le drapeau français. Ça concerne les édifices publics ainsi que les entreprises. Il n'y a pas d'obligation d'y mettre le drapeau bleu-blanc-rouge, même si c'est conseillé pour les bâtiments publics. Mais si le seul drapeau arboré est un drapeau étranger, alors il est obligatoire d'y ajouter un drapeau français. Évidemment, ça ne concerne pas les représentations diplomatiques étrangères établies en France. Le drapeau français! Mais alors? Il suffit de le tourner, c'est un drapeau hollandais! Vous avez peut-être remarqué que j'ai anonymisé les captures d'écran en début de vidéo. Si jamais vous retrouviez mon interlocuteur, n'allez évidemment pas le spammer ou encore moins le harceler. Lorsque vous réagirez en commentaire, n'oubliez pas que la chaîne Vous avez le droit n'est pas une chaîne politique, mais une chaîne d'information et d'éducation, et un petit peu de sourire aussi. Le droit est le même pour tous, et s'il s'était agi d'un militant d'un tout autre bord politique que l'extrême droite, ma vidéo aurait été exactement la même. Nom de Dieu, vous êtes un communiste, ça crève les yeux! On laisse donc ses convictions politiques au petit vestiaire des opinions et on débat calmement du droit concernant la libre détention et utilisation du drapeau français. Merci aux donatrices et aux donateurs, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour les remercier de leur générosité, ils ont pu l'avoir avant tout le monde. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne par vos dons si vous le pouvez et que vous le voulez. Et n'hésitez pas à préférer Utip à Tipeee pour des raisons éthiques. N'oubliez pas non plus que la boutique de Vous avez le droit est ouverte. Là aussi, vous pouvez aider la chaîne tout en vous faisant plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit.
Mais qu'est-ce qu'ils font pour faire pour amuser le monde, hein?